excusez-moi, madame, j'ai dû me tromper de chambre. Qu'est-ce qu'on a dit, là? Hein? Ah, gros son! Et voilà! Saint-Tropez, eh? Saint-Tropez. Ladies? Ladies, Come on! Pas de publicité! Pas de publicité! Ça va vous coûter cher, mon cher. Oui, c'est... Attention, vous autres! En avant! C'est moi. Ça va pas, chef. Comment parle-moi, chef? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? My tailor is rich. My tailor is... Que ça vous déverse dans les rues un flot d'actino, la montée sur roulement à billes. Je ne suis pas de ce tir, non. Très bien, à vos ordres, à l'avant, allez, à l'avant. Salut à tous les amis, c'est Freddy Do78. On se retrouve aujourd'hui pour Le Gendarme à New York. Volet numéro 2 de la série des gendarmes. Donc toujours un film de Jean Giraud avec toujours la même bande de copains. Louis de Funès, Galabru et toute la bande. On y retrouve toujours Geneviève Grade qui fait la fille du Cruchot. Nous avons la petite apparition de notre bonne sœur préférée. Les lieux du tournage, Saint-Tropez, Nice, Paris, Le Havre et New York, bien évidemment. Geneviève Grade qui interprète toujours une chanson. Cette fois-ci, un titre qui s'appelle Les garçons sont gentils. Petit clin d'œil à certaines scènes du film. Où la séquence du ballet fait une parodie du spectacle West Side Story. Et la séquence de l'immeuble qui fait penser au cinéma muet avec Charlie Chaplin. Donc voilà, quelques petites erreurs dans le film, pas bien graves. Les lumières du tournage qui se reflètent dans les cantines des gendarmes. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Quand Cruchot obtient l'adresse pour aller chercher sa fille, qui sait que sa fille se cache chez les parents d'un gendarme italien, il leur dit bien clairement que c'est le 104 Motor Street. Il le dit deux fois. Et le problème c'est que Cruchot à chaque fois répète l'adresse et il se trompe
l'adresse devient 204 Motor Street. Et quand il y arrive, l'épicerie, il tombe sur l'adresse numéro 125. Voilà. Il y a eu ensuite, par rapport au moment, enfin vers la fin du film, quand Cruchot cherche sa fille et tout, puis que finalement elle s'est déguisée en hôtesse de l'air. Donc elle lui annonce que de faire en sorte de pas prendre le même le même vol que eux. Or le problème c'est que ils la mettent d'office sur leur vol à eux. Donc lui il ne veut pas que son chef apprenne que voilà parce qu'il n'a pas le droit d'emmener sa fille bien évidemment. Et du coup donc le vol 017 est mentionné deux fois. Et d'un seul coup donc Cruchot fait en sorte de faire louper l'avion. Donc ce qui fait qu'il retient les cantines de manière à ce que sur le tapis roulant de l'époque à l'aéroport. Et du coup Gerbert arrive et dit c'est le dernier appel pour le vol de leur avion, or leur avion est devenu le 070. Donc voilà pour les deux petites erreurs. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu dis Cruchot doit faire en sorte que ses collègues n'apprennent pas la présence de sa fille. Tout simplement parce que sa fille rêvait de découvrir New York et Cruchot lui a dit non, je ne peux pas pour des raisons de travail. Son travail l'empêche d'emmener sa fille. Et du coup, Nicole s'en fout, elle veut y aller par tous les moyens. Elle va y aller clandestinement avec le même bateau qu'eux. Et du coup, voilà. Donc Cruchot a peur de se faire attraper par l'adjudant Gerbert. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce film. Donc n'hésitez pas à le voir. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note Alors. C'est vrai qu'il y a pas mal l'absence de cette fameuse bonne sœur. On retrouve souvent malheureusement des textes. Entre guillemets, traduit. Voilà, ce qui est un peu chiant des fois. C'est vrai qu'on regarde plus souvent la traduction qu'autre chose. Enfin voilà, je lui mettrais allez, un petit 15 sur 20. Donc voilà. Donc j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce film. On se retrouvera dimanche prochain pour le gendarme numéro 3. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.